Bref, je venais de faire mon entrée de flic badass dans ce film qui promettait un univers futuriste quand soudain, mes supérieurs ont décidé de m'imposer un coéquipier, disons, particulier. Vous travaillerez à deux. Avec un vétéran, un pro. Rex, Teddy Rex. Devant l'incongruité de la situation, je leur ai dit. C'est un dinosaure! Ils m'ont dit qu'il avait des talents spéciaux, je leur ai dit. C'est un dinosaure! Ils m'ont dit qu'il avait le pouvoir de communiquer avec les défunts. Je suis en relation directe avec mes ancêtres. Ils me regardent et ils me parlent. Je leur ai dit. Et c'est un dinosaure! C'est une plaisanterie! Ils m'ont dit. Vous seriez pas espéciste, Coltrane? Je leur ai dit. Bon, j'ai rien dit. L'enquête a commencé et j'ai très vite compris où les scénaristes voulaient en venir. C'est sur la queue que les dinosaures ont des écailles personnelles et distinctes. Un florilège de blagues à base de queue. Monsieur le commissaire. Oh, oh. Appuie. Moi, si je m'écoutais, je l'attraperais bien par la queue, ce reptile. Ouh, génial. Prenant mon rôle à cœur, j'ai tenté de relever le niveau. Non. Devant l'ampleur du désastre, j'ai conseillé au producteur d'ajouter un autre nom connu au générique. J'ai été sélectionné. Mais ça n'a pas suffi. Cerise sur le gâteau, j'ai appris à la fin du tournage que le film ne sortirait même pas au cinéma et qu'il serait directement distribué en VHS. On dirait que quelqu'un a eu un sursaut de sensibilité et tient à étouffer l'affaire. Entre nous, je comprends. Quelle histoire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas gardé la fin que je leur ai généreusement proposée. Nous sommes au cimetière Carnaval où le corps d'un dinosaure vient d'être retrouvé. Oh oui. Bref, je suis Whoopi Goldberg et j'ai joué dans un film pourri avec des dinosaures. Ah, quelqu'un d'autre.